Bonjour Lionel, merci de nous accueillir chez toi, Rodez, t'es ici depuis 2016. Est-ce que tu t'imaginais rester aussi longtemps ici quand t'es arrivé? Non, j'aurais jamais pensé rester 7 ans à Rodez. En arrivant ici, c'était vraiment pour me relancer parce que j'avais fait un an sans club. J'étais pas désespéré parce que je désespère jamais dans la vie, mais j'étais dans une situation assez compliquée. Et Rodez cherchait un gardien, du coup je suis arrivé ici, mais non, j'aurais jamais cru passer 7 ans de ma vie ici, quoi. On en reparlera après de ta situation où tu n'as pas joué pendant un an, mais depuis septembre, tu es indiscutable. Est-ce que tu peux dire que tu vis ta meilleure saison? Pour beaucoup, tu es vraiment l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Bah ouais, je pense que je vis ma meilleure saison parce que j'ai l'expérience de la Ligue 2 de ma saison dernière, qui a été une expérience avec des hauts et des bas, mais ça fait partie du foot et de l'expérience. Et ouais, je pense que je suis plus tranquille. J'ai fait des meilleures performances cette année grâce au travail qu'on effectue toute la semaine à l'entraînement avec le coach des gardiens. Et ouais, je pense que c'est la meilleure saison depuis que je joue au foot. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tu es formé à Torcy en région parisienne de 2001 à 2009. Quand tu repenses à cette période, tu étais insouciant ou déjà tu voulais être professionnel? Mais j'ai jamais commencé le foot en me disant dans ma tête je vais être professionnel. Je kiffais quoi. J'étais à Torcy. Torcy c'est un club de la région parisienne du 77. C'est un super club formateur qui a sorti pas mal de joueurs. Et là-bas il y avait déjà cette exigence d'être des meilleurs du 77 quoi. On gagnait pas mal de matchs et je pensais pas être pro. À 13 ans j'étais. Je me rappelle quand il y avait Paul Pogba justement à Torcy qui lui jouait en 13 deuxième année en DH en équipe première. Moi, j'étais en 13 première année et j'étais en excellence première div. Du coup, l'année suivante, je me retrouve en DH et tout va très vite. Mais dans ma tête, je me suis jamais dit je veux faire de ça mon métier, quoi. Ça a été naturellement. Tu l'avais rencontré, Paul Pogba? Ouais, bah on se côtoyait parce qu'il est du 77. Du coup, on se côtoyait, on se voyait. Lui, c'est un 93, moi, je suis de 94. Du coup, on se voyait souvent, tu vois. Et il avait déjà des énormes qualités à l'époque. Et en 2009, tu rejoins le Paris Saint-Germain, tu as 16 ans, comment tu le vis? Ah, pour moi, pour tout jeune Parisien, c'est un rêve. Le PSG, ils viennent t'appeler. En fait, si tu veux, j'étais en contact avec Paris un an avant, l'année justement de 13 ans, deuxième année. On est en 13 DH et on fait une super saison, on monte en 14 fédéraux. Cette année-là, le PSG m'approche, mais ça ne donne rien à la fin de la saison. Et c'est l'année de 14 fédéraux où on est dans un groupe, il y a le FC Metz, des gros clubs pro. Et on fait une super saison, on finit deuxième. C'est là que ça se conclut à la fin de saison et j'étais comme un fou. Je me rappelle à l'époque, j'étais arrivé au collège avec mon contrat et tout. Je montrais à tout le monde, c'est un truc de fou, je vais signer au PSG et tout. Ouais, pour un jeune de la région parisienne, c'est le Graal de que le PSG vienne te chercher. À ce moment-là, tu te dis ma vie, elle est toute tracée, ta vie change. Je me dis pas ça parce qu'en arrivant au centre, je vois qu'il y a un monde d'écart en fait. Parce que moi j'arrive au centre du coup en U16 avec des mecs qui ont déjà été en préformation. Du coup mon premier entraînement, je comprends pas, ça va à 10 000 à l'heure. Je m'en rappelle, on fait une conservation ou un taureau. C'était pa, 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 pa. Je me suis dit oula, falloir que je me mette au niveau rapidement, tu vois. Et non, après le PSG ça m'a forgé. Je me suis jamais dit que j'allais finir pro, j'allais finir en Ligue 1 ou quoi. J'ai pris ça comme une formation, j'ai écouté mes entraîneurs. En plus, nous, on avait un super groupe avec des super joueurs, des Ogenda, Rabiot, Ikoko. Moi, j'avais une génération de fou, tu vois. Et du coup, il fallait se mettre au niveau. Et au niveau des gardiens, bah, il y avait Mike Maignan qui avait un an de moins que moi, mais avec qui on avait été en concurrence un peu plus tard en 18 ans. Il y avait Moridio maintenant qui est à Clermont, avec qui je suis arrivé en même temps au PSG. Et on est en concurrence en 16 ans. Et après, il y avait Alphonse Areola qui était au-dessus de moi et en 93, mais qui lui jouait déjà avec la CFA, quoi. Ta famille, tes amis, comment réagissent quand tu signes à Paris? C'est l'effervescence? Ouais, c'est le kiff, tout le monde. Bah, je suis la petite star de chez moi, j'habite à Bayeux-Romainvilliers. Je rentre au centre de formation à Paris. Tout le monde est content pour moi. Et ouais, c'est le kiff, franchement, c'est le kiff. T'avais une anecdote sur ton passage au PSG que t'as jamais raconté. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ouais, y a plein de bons souvenirs. On a gagné beaucoup de matchs. On a gagné un titre contre. On a gagné un titre contre l'OM en 16 ans. Du coup, c'était un match
c'est le Graal d'arriver en finale de championnat de France contre Marseille, tu gagnes avec nos 18 ans qui étaient là. Je me rappelle de Nisken Skebano, des grands, Jimmy Kanguin et tout, qui nous sautent dans les bras à la fin du match. Mais une anecdote un peu drôle. Bah, la première année, quand j'arrive à Paris, on joue le tournoi Nike Cup. C'est un tournoi, un gros tournoi où la finale a lieu au Camp des Loges et le vainqueur va à Manchester pour jouer la phase finale contre Sao Paulo, je m'en rappelle, le Werder de Brême, que des grosses équipes, quoi. Et on était jeunes, on avait 15 ans et on était sortis. Et le coach, il n'était pas au courant et ça s'est su. Et je me rappelle quand on était rentré au Camp des Loges, à 6h du matin, ils nous avaient convoqués, ils nous avaient fait aller courir dans la forêt et tout, mais c'était... On était jeunes, on était insoucieux, quoi, tu vois. Bon, moi, j'ai une autre anecdote pour toi. Ouais. Je vais te laisser la découvrir, je vais te passer l'ordi. Je te laisse mettre play. Et tu me diras ce que t'en penses directement dans la foulée. J'ai une petite anecdote. Un jour, quand on était au PSG, il fallait qu'ils jouent à Auxerre. Et ils avaient rendez-vous à 7h au Camp de Loge. Il fallait qu'ils se retrouvent tous au Camp de Loge à 7h. Sauf que Lionel, il n'a pas attendu le réveil. Du coup, il s'est réveillé à 7h, l'heure à laquelle il devait être au Camp de Loge. Il était encore à 1h30 de Saint-Germain-en-Laye. Mais j'ai trouvé une solution possible. J'ai ramené Lionel jusqu'à 20 minutes d'Auxerre pour aller rattraper les cars parce que le coach il voulait absolument que Lionel soit présent au match. Parce que c'est lui qui devait voler. Donc je dirais, je suis fier de lui. Vraiment, bravo Lionel, nous sommes là, nous te soutenons. Je sais que tu vas aller encore plus loin. Par la grâce de Dieu, moi je crois en toi. Allez, bisous. Ah, c'est la bosse, hein. Le réveil n'avait pas sonné. Ah ouais, le réveil n'avait pas sonné. Genre, en plus, elle me l'a raconté il n'y a pas longtemps, cette anecdote. Ah, ma mère, je l'ai fait souffrir, franchement. Le Camp des Loges, c'était à 1h. Du coup, c'est elle qui m'a amené souvent en voiture. Et ce jour-là, comme ça arrive à tout footballeur, tu oublies de te réveiller. Et on devait avoir rendez-vous vers 7h pour aller jouer dans l'Est de la France, là-bas. Sauf que 7h, je me réveille, j'ai dit à ma mère en panique, mon réveil n'a pas sonné. Elle me dit, vas-y, habille-toi et tout, je t'amène et tout. J'appelle le coach, je lui dis, coach, mon réveil, il a pas sonné, ils étaient déjà partis en bus, tu vois. On a rattrapé le car. On les a rattrapés sur l'autoroute, on s'est garé sur une aire d'autoroute, on a fait le tour parce que, tu sais, il y avait les passerelles et ils sont venus me chercher de l'autre côté, tu vois. Et non, je la remercierai jamais assez, ma mère. En tout cas, c'est une battante, ta maman. Ouais, elle a beaucoup fait pour toi dans ta carrière. Elle a beaucoup fait pour moi, elle s'est beaucoup battue pour moi et pour mes frères, mon frère et ma sœur. Et elle a toujours été derrière moi, elle m'a toujours soutenu. Elle a souvent été inquiète dans les moments où ça allait mal et moi j'essayais toujours de la rassurer parce qu'elle le méritait et j'essayais de me battre tout le temps pour elle, quoi. Après Paris, direction Toulouse, j'ai une petite vidéo à te montrer. Ah ouais, encore des... Ouais, encore, mais bon là ça va, tu vas voir, c'est pas aussi... c'est... Bon, je te laisse mettre play, je te laisse regarder les 30 premières secondes. Le sentiment, c'est un sentiment de joie. Putain, j'étais jeune. Je suis très content d'avoir signé mon premier contrat pro ici au TFC. C'est un super club, franchement, ça fait 2 ans que je suis là et super, franchement. C'est une suite logique et en même temps, c'est la première étape d'une longue carrière, je l'espère. Maintenant, c'est à moi de me battre pour continuer cette aventure ici. Inconcevable, non, parce que je me posais un petit peu de questions par rapport à ma... Je voulais juste te montrer comment t'as changé. Ah ouais, j'ai changé et j'avais pas l'air content d'avoir signé pro, hein, putain. J'étais pas souriant, pas... Toulouse, mon premier contrat pro, je découvre le monde pro vraiment à part entière. C'est une super période de ma vie parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est... Le moment où je pars du cocon familial, je pars loin de ma famille et je me lance dans la vie, quoi. J'apprends à vivre seul. C'est le début de ma vraie carrière, quoi. Ben, en fait, c'est là que tu te rends compte que quand t'es à Paris, quand t'es dans des clubs professionnels, t'es un peu dans une bulle. Et nous, on nous disait, attention, les gens de l'extérieur surtout, tu vois, attention, t'es dans ta bulle. C'est pas ça la réalité de la vie, tu vois. Et je pense vraiment, et c'est un message pour tous les jeunes qui sont en centre de formation et tout, c'est pas une fin en soi d'être en centre de formation. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain t'appelle que tu vas faire une carrière à la Kylian Mbappé.
Il faut toujours se battre, il faut toujours se remettre en question. Et moi, je pensais à l'époque que le fait d'être passé par le PSG, passé ça, par ça Toulouse, allait t'aider, forcément. De Ligue 1, t'avais un beau CV. Tu sors de là, tu vas retrouver un club, forcément, tu vois. Alors que la réalité du foot, elle est pas du tout comme ça. Et de plus en plus, moi, je connais beaucoup de potes à moi qui sont sans club maintenant, qui ont arrêté le foot. Parce que c'est dur de retrouver un club et il faut jouer, quoi. Si t'es pas sur le terrain, si t'as pas de minutes, personne te voit. Et même si t'es passé par Paris, par le Real de Madrid, par Manchester, c'est le terrain qui parle, quoi. Et je m'étais pas préparé. Mais d'un côté, c'est incompréhensible. T'es international U17, U18. On en reparlera après avec l'équipe de France. Et ça te tombe dessus, tu dis t'es pas assez préparé, mais t'avais quand même le CV pour ne pas le voir arriver. Ouais, mais comme je t'ai dit, encore une fois, c'est le carré vert qui parle. Parce que même quand on était en sélection de jeunes, on nous disait, croyez pas que l'équipe de France jeune U17, U16, U17, ça veut dire quelque chose. Quand tu seras en espoir, c'est là que ça voudra dire quelque chose. Et ouais, c'est que sur le papier, c'est bien pour le prestige, c'est bien pour ton CV, comme tu dis, d'avoir écrit équipe de France jeune, U16, U17, mais ça compte pas forcément. Et du coup, comment elle se passe cette année-là? Tu travailles? Tu te remets aux études, qu'est-ce que tu fais? Bah, si tu veux, à la fin de saison, nous, on a l'UNFP là en France, le syndicat des footballeurs professionnels, qui te permet de faire un stage en cas de... Bah, quand t'as pas de club, quoi. Et du coup, je vais faire ce stage UNFP et ça se passe bien. Je m'entraîne comme si j'étais dans un club professionnel tous les jours. On a des matchs amicaux réguliers contre des équipes professionnelles, ça se passe bien. Mais arrivé à ce stade-là, les effectifs, ils sont faits. Du coup, les clubs qui chercheraient un gardien, c'est un gardien qui a de l'expérience, qui a déjà joué au haut niveau, qui a de l'expérience, qui a du temps de jeu, quoi. Et moi, j'en avais pas eu, malheureusement. Du coup, ça a été super compliqué. J'ai pas trouvé jusqu'en octobre où je vais faire un essai à Moulins, à l'époque en CFA. Et je vais là-bas et je me blesse à la hanche. Genre 2 jours d'entraînement et je m'en rappelle parce que il y avait le coach adjoint qui est chez nous maintenant, était là-bas à l'époque. Sébastien Da Silva qui est passé chez nous, qui est maintenant à Laval, qui était là-bas à l'époque. Il y a des mecs avec qui je suis en contact maintenant. Mais ouais, c'était une année noire, quoi. J'étais chez ma mère. Je désespérais pas parce que je bossais pour essayer de garder la forme. Mais c'était dur. Jusqu'en mars, où j'ai un coup de fil de Teddy Richard, qui était mon coach des gardiens à Toulouse, qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Lio, j'ai vu avec tout le monde au centre de formation, ils sont d'accord pour que tu viennes t'entraîner. Ils savaient ma situation, ils savaient qu'elle était compliquée. Ils sont d'accord pour que tu viennes t'entraîner pour garder la forme, le temps de retrouver un projet, quoi. » Du coup, ça m'a fait énormément de bien. Je suis parti à Toulouse en mars, de mars à juin. Et je me suis entraîné tous les jours comme si j'appartenais au club, quoi. Ils ont été super top avec moi là-bas. Ça m'a permis de me remettre en forme et à la suite de ça, d'aller faire un essai à Colomiers, qui était en CFA, la même division que Rodez, qui était dans le même championnat que Rodez. Je vais faire un essai à Colomiers, tout se passe super bien. Sauf que dernier ballon de l'entraînement, dernière sortie, je prends un coup au tibia. Comme par hasard, hein, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Je prends un coup au tibia, je vais faire des examens, fracture. Enfin non, je vais faire des examens. La dame à l'examen me dit que j'ai rien. Dans la foulée, moi, j'ai Rodez qui m'appelle, le directeur sportif. Oh, allô, j'ai eu Teddy Richert, on cherche un gardien numéro 2, est-ce que tu es chaud pour venir? Je fonce, je viens, tu vois. Je leur dis au téléphone, j'ai pris un coup au tibia, mais je sais pas ce que j'ai. J'ai été faire des examens, on m'a dit que c'était une contusion, qu'avec du temps, ça allait aller, quoi. Sauf que je signe par téléphone. À l'époque, on était en CFA, j'avais juste à signer la licence et arriver. Le premier jour que j'arrive à l'entraînement, c'était sur ce terrain en plus. Impossible de trottiner. Le coach, il me regarde, le préparateur physique me regarde. Ils se disent, mais on a recruté un gardien qui a une jambe en moins, tu vois, une jambe moins plus courte que l'autre. Et au bout d'une heure et demie d'entraînement, je dis au coach, mais coach, je peux plus, j'ai trop mal. Je vais faire des examens derrière et fracture. Du coup, mon aventure à Rodez, elle commence par une fracture au tibia. Tu penses que s'ils le découvrent avant, ils te prennent pas? Je pense, ouais. Ils vont pas prendre un gardien qui s'est blessé gravement et qui en a pour 6 mois, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je suis reconnaissant des dirigeants ici de m'avoir gardé. Et ça s'est super bien passé, en vrai. C'est la première année en plus où on monte en national. J'étais avec eux tout le temps, tous les week-ends je les suivais et on avait un groupe énorme, du coup ça s'est super bien passé. J'ai lu que ta foi en Dieu t'a beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? T'as un paquet de témoignages là. Ouais, il y a un Dieu dans tout ça. Franchement, si je croyais pas en Dieu, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps.
Il m'a toujours aidé à garder la foi, à toujours me battre, même quand c'était dur, l'année où j'étais au chômage. Ma mère m'a toujours dit, j'ai été élevé comme ça, tu vois, j'ai été élevé avec cette croyance en Dieu, et j'en suis sûr même, ça m'a totalement aidé. Et donc, tu arrives à Rodez dans toutes ces conditions, est-ce que c'est le meilleur choix de ta carrière pour toi ? Ben ouais, il y a pas mal de gens qui disent des fois dans une carrière, ouais, t'as fait un mauvais choix de carrière, et avec du recul, ouais, je pense que c'est un très bon choix, parce que j'étais en centre de formation à Paris, j'avais connu que des clubs pro. Je suis redescendu, je me suis remis en question, je me suis remis à travailler, je suis reparti tout en bas, j'ai attendu patiemment et maintenant, aujourd'hui, je suis récompensé, j'ai du temps de jeu, je me montre, j'ai été appelé en sélection là, il n'y a pas très longtemps, du coup, pour moi-même, c'est génial. Et t'es en fin de contrat en juin prochain, toi, t'as envie de quoi ? Moi, j'ai envie de continuer ma progression, de continuer à m'éclater sur le terrain. Surtout, c'est important, après avoir passé autant de temps sur le banc, quand tu goûtes le terrain à 28 ans, tu n'as plus envie de retourner sur le banc, quoi. J'ai une belle histoire avec ce club parce que j'ai fait deux montées. On a connu beaucoup de succès depuis qu'on est en Ligue 2. Ça fait 4 années de suite qu'on se maintient en Ligue 2. C'est pour une ville comme Rodez, pour un club comme Rodez, c'est magnifique. Et on a ce challenge d'aller chercher une 5e année de suite en Ligue 2, tu vois. Et après, on pourra parler de ce qu'on fera l'année prochaine. Mais quand même, je sais que tu es très famille. Ça te tient à cœur de rester en France ou tu te vois aller ailleurs ? Je suis très famille et ma famille me suivra tout le temps partout où que je sois. Je sais pas, c'est Dieu qui décidera de ce qui m'attend. Je partir à l'étranger, ça me ferait pas peur parce que ma famille, je sais qu'elle comprendrait et elle me suivrait, ce serait possible de venir me visiter. Et comme je te l'ai dit, je suis parti, j'avais 18 ans. J'ai plus besoin d'être accroché à ma famille tout le temps, de les avoir proches de moi. On est en contact tout le temps, ça se passe super bien. Et non, ça ne me fait pas peur, mais on verra ce que Dieu a décidé pour moi. Quand tu revois le petit gars de Toulouse qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo, là, en quoi il a progressé pendant toutes ces années ? Alors, je suis devenu un homme, quoi. J'étais un enfant là, sur la vidéo. Je découvrais la vie, quoi. Comme je t'ai dit, j'arrive dans une ville où je suis tout seul. C'est aussi l'apprentissage de ta vie de jeune homme. Tu commences à sortir. Mais j'ai pas forcément de regrets sur comment ça s'est passé. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est le plan qui était prévu pour moi. Mais ouais, t'es insoucieux. Tu travailles peut-être un peu moins. T'arrives dans une ville où c'est festif. T'es un peu diverti. Ouais, je trouve que j'ai avancé en tant qu'homme, en tant que personne. Rodez m'a appris à... J'ai appris les valeurs de la vie, quoi, ici. Je ne les connaissais pas forcément avant. À Rodez, j'ai travaillé, j'ai connu le monde du travail, j'ai été surveillant. Du coup, ça m'a montré qu'il n'y avait pas que le foot dans la vie. Tu étais surveillant ? Ouais, j'ai été surveillant. La deuxième année où je suis arrivé, si tu veux, comme nous, on était en CFA, déjà, dans l'équipe, il y avait pas mal de mecs qui, à côté du foot, étaient surveillants, tu sais, pour compléter le salaire. Et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, moi, j'étais dans une situation où quand je suis arrivé, je touchais le chômage et Rodez me complétait un petit peu. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et la troisième année, fallait un petit peu arrondir les fins de mois, quoi. Du coup, j'ai travaillé dans un lycée et c'était une super expérience. J'étais surveillant, j'avais la responsabilité d'enfant, en quelque sorte, tu vois. Et ça m'a appris, ça m'a pas mal appris. Et si tu devais évaluer le gardien que tu es devenu, en quoi il a progressé depuis les tout débuts, quand tu as commencé tes faiblesses, tes points forts ? Bah, depuis le début, je pense que j'ai beaucoup pris en calme. Avant, quand je jouais, j'avais beaucoup de pression. Quand t'es gardien, en fait, quand le ballon il arrive vers toi, t'as forcément un petit peu de pression, de l'adrénaline qui monte. Et avant, j'étais plus sujet à faire des erreurs, des grosses erreurs, tu vois. On m'a beaucoup reproché ça quand j'étais plus jeune, de manquer de concentration. J'étais vite étourdi, tu vois, vite distrait par quelque chose d'autre. Ça, je pense que je l'ai amélioré. Je suis beaucoup plus calme dans mon jeu. Je suis beaucoup plus concentré sur ce que j'ai à faire. Après, il y a des gens qui nous ont aidés aussi, des gens de l'extérieur, des préparateurs mentaux et tout. Et je pense que c'est super important dans le foot d'être suivi par rapport à ça parce que tout se passe dans la tête. Et dans la tête, j'ai forcément plus. Là, j'ai progressé dans la tête. Comparé à avant, c'est plus le jeune qui arrivait sur le terrain et qui était tout foufou, tu vois. Je suis plus canalisé, plus...
plus focus sur moi-même, plus précis sur ce que j'ai à faire et ça se ressent sur le terrain. On va maintenant ouvrir la page sélection. Si on revient à ton époque du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y avait des joueurs congolais, t'en as parlé tout à l'heure, qui t'ont un peu parlé peut-être de la sélection quand tu étais déjà chez les jeunes? Au PSG, on était pas mal de Congolais. Il y avait Ervin Ogenda, mais on était tous en équipe de France. Il y avait Jordan Ikoko, je suis formé avec lui, on était ensemble au centre, tu vois. Mais à l'époque, on parlait pas vraiment de la sélection, tu vois. Et vu qu'on était tous en équipe de France... Moi, je me rappelle que j'avais reçu une convocation justement pour... quand j'ai été convoqué pour la Coupe du Monde, j'avais reçu une convocation du Congo. Mais à l'époque, on n'en avait pas trop parlé, tu vois. Et ça aurait peut-être été... C'était peut-être une erreur, mais je suis très content d'avoir été appelé en sélection de la RDC pour la première fois. Ça m'a permis beaucoup de choses. Ça m'a permis d'aller dans le pays de naissance de mes parents pour la première fois, mon pays d'origine, de voir mon grand-père pour la première fois. Et c'est... Franchement, ça n'a pas pris. On y reviendra après à cette histoire familiale. Mais quand tu repenses à cette époque du PSG, il y avait des joueurs par exemple comme Kebano, Moulumbu. Est-ce que tu as eu des contacts avec ces joueurs-là? Non, avec Niskens. Niskens, je l'ai côtoyé au centre aussi. On ne parlait pas forcément de la sélection. Tu sais, on était dans un petit truc. Tu es au centre de formation au PSG. Tu es appelé en équipe de France. Tu suis le cursus d'un jeune qui est formé en France, quoi, en général. Et donc, tu as été sélectionné en équipe de France en U16, U17, U18. On va voir des images avec les joueurs avec qui tu as joué. Il y a du très très lourd. Je vais te montrer quelques photos ici que j'ai programmées. Si tu regardes par exemple cette photo, Sébastien Allaire, Kurt Zouma, Gaëtan Laborde, ouais, c'est du très lourd. Ouais, c'était du lourd franchement. À cette époque-là, on avait une équipe. C'était quelque chose. Hein. Putain. Ouais, des Kurt Zouma, des... Franchement, je m'en rendais compte sur le coup, parce que des mecs comme ça, déjà, quand on avait 16 ans, 17 ans, c'était incroyable, c'était des cracks. On savait qu'on était jeunes et qu'on avait beaucoup à apprendre encore, à progresser. Tu regardes ces mecs-là maintenant, c'est incroyable. Emery qui est là à Manchester City, il a été champion. Kurt Zouma, il a la carrière qu'il a. Sébastien Allaire. Non, franchement, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs et... Ça me réconforte des fois quand ça va un peu moins bien. Je me dis que moi aussi j'ai des qualités, je suis pas là pour rien, tu vois. Et que j'ai joué avec des mecs comme ça et c'est pas pour rien, quoi. C'est des gars avec qui t'es encore en contact aujourd'hui? Ouais. Franchement, je suis en contact avec tout le monde. Là, j'ai vu Lenny Nangis, il joue à Nancy. J'avais été le voir cette année. Antoine Comté et tous les Parisiens, on est toujours en contact depuis super longtemps. Après, c'est vrai que les Kurt Zouma, les Sébastien, maintenant ils sont. Ils sont là-haut, du coup, non, mais je pense que si on s'écrit, s'il voit mon message, il me répondra, tu vois. Même Adrien Rabiot et tout, mais c'est vrai que maintenant, ils sont un peu moins accessibles, mais la plupart, ouais, on est encore en contact. Tu as des sacrés souvenirs en équipe de France. Je te laisse dérouler vers le bas. Quand tu revois ces images-là, ça te fait penser à quoi? Tu as joué une Coupe du Monde quand même au Mexique? Ouais, Coupe du Monde au Mexique, Euro. On a joué l'Euro en Serbie aussi. Tu repenses à quoi en ces images? T'as l'air un peu ému. Non, je repense à... Non, je suis pas ému. Je suis pas ému, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma carrière. Je le raconterai quand je serai plus vieux. Mais ouais, ça remonte tout le chemin parcouru. C'est incroyable, hein. Ça, c'était en 2011, je dirais. 2011-2012. Et on est toujours là à se battre pour aller chercher les objectifs et... Non, ça montre qu'il y a de la qualité et que, ouais, il faut toujours bosser, il faut toujours se remettre en question et aller de l'avant, surtout. Et donc, de 2011 à 2021, tu n'es plus appelé en bleu. Tu as des premiers contacts avec la RDC en 2021. Comment ça se passe? Si tu veux, j'ai des gens qui viennent m'approcher un petit peu sur les réseaux. Des gens, disant, c'est-à-dire Je me rappelle, j'ai le souvenir d'un David Swanga. Il était venu m'écrire sur Facebook, il m'avait dit « ça t'intéresse de venir en sélection et tout, ninana. Les gens ici veulent que tu viennes en sélection et tout, ninana. » Et moi, je commençais à jouer en Ligue 2, du coup, je me rappelle, j'avais fait une interview, je sais plus si c'était avec vous, ou vous étiez venu m'écrire et vous m'avez posé deux, trois questions et je vous avais répondu que moi, je suis pas du tout fermé. Franchement, ce serait avec grand plaisir
que j'accepterais de venir en sélection. Et à la fin de la saison où je joue, il y a Cédric Bakambu qui m'écrit sur WhatsApp. Et en gros, il me laisse un message. Il me dit qu'il veut qu'on discute par rapport à la sélection. Il signe Bakago, rappelle-moi. Je le rappelle direct et tout. Il me dit, ouais, ça va ou quoi? Je te suis et tout. Je vois que... Et il avait cette volonté de donner un nouvel élan à la sélection, quoi, de ramener une nouvelle ère. Et moi, je lui ai dit, franchement, je suis totalement partant. Il m'a dit, là, il y a une sélection en juin. Viens, j'ai donné ton nom et tout. Et franchement, on a un pays, il faut qu'il avance. On a une sélection, il faut qu'elle avance, tu vois. Je lui ai dit, pas de souci. Moi, j'avais un petit problème au genou, il fallait que je me fasse piquer. Du coup, je ne pouvais pas être sur le rassemblement en juin. Il m'a dit, bah vas-y, pas de souci. Ils vont revenir vers toi pour faire tout ce qui est papier administratif et tout. Et en septembre, tu vas être appelé, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai été en septembre. Attends, donc tu as parlé à Cédric avant de parler au sélectionneur? Ouais, en fait, j'ai parlé. Il a joué le rôle du sélectionneur. Cédric, en fait, si tu veux, il m'a écrit. Parce que je pense que, et tout le monde le sait, Cédric, il a un gros poids en sélection. Et si, de toute façon, si on veut faire bouger les choses, ça part des mecs comme ça, des mecs comme Cédric, des mecs comme Chancel. Et Cédric, il m'a écrit. Et après, plus tard, j'ai eu Mahmoud Fayez, l'ancien adjoint de Cooper, qui m'avait écrit sur les réseaux pour me demander si j'étais chaud de venir. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Et du coup, premier rassemblement, c'est ta première fois en RDC. Tes premières impressions? Ah, c'est... Il y a plusieurs sentiments qui se mêlent, tu vois. Beaucoup de fierté de enfin découvrir mon pays. Beaucoup d'émotions de voir dans quel état est le Congo. Parce que nous, on est en France. Moi, j'ai grandi en France. J'ai jamais été au Congo. On a toujours été dans des bonnes conditions. On a toujours tout eu. On a toujours vécu dans des bonnes conditions. Et quand tu arrives là-bas et tu vois comment les gens y vivent, ça te fait forcément un truc, tu vois, ça te fait tilt. Et moi, il y avait plusieurs sentiments qui sont entremêlés, mais c'était une super expérience, je m'en rappellerai toute ma vie. Et tu connaissais déjà quelques gars de la sélection avant de venir, Cédric, du coup? Ouais, je connaissais Cédric, du coup, parce qu'on s'était échangé. Bah, Jordan Ikoko, Niskens, je ne l'avais pas revu depuis super longtemps, parce que lui aussi, il a eu un parcours où il est parti très tôt en Angleterre et tout, en Belgique. Du coup, ça m'a fait plaisir. Marcel, parce qu'il est du 77 et... Et j'avais parlé un petit peu aussi avec Marcel avant de venir en sélection et tout. Et je crois que c'est tout. Hein. Mais ouais, tous ces mecs-là, ça m'a fait super plaisir de les revoir. Parce que Marcel, on s'était quitté. Lui aussi, il jouait à Torcy à l'époque avec les Paul Pogba et tout. Mais il avait 13 ans, il avait une grosse touffe. Et moi, depuis, je l'avais pas forcément... On s'était pas forcément recroisés sur les terrains, tu vois. Et ses cheveux sont bien tombés depuis. Mais ouais, ça m'a fait plaisir de retrouver tout ce monde-là, quoi. Donc t'es complètement à l'aise en sélection, ouais, dans ton environnement, c'est... tout le monde t'a mis à l'aise. Franchement c'est trop bien, tout le monde m'a super bien accueilli, que ce soit les anciens, les plus jeunes, les locaux, ceux qui jouent dans des grands clubs. Et c'est ça que j'ai kiffé, quoi. Tu te retrouves en sélection avec des Bakambu, des Chancel Mbemba, des Dieu merci Mbokani. C'est des mecs que il y a 2-3 ans, je regardais à la CAN sur mon canapé et j'étais comme tous les Congolais du monde et de France à me dire « Putain, mais comment ça, on gagne pas, je comprends pas » et tout, tu vois. Mais se retrouver là, à ce moment-là, avec des mecs comme ça, c'est génial et je profite. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est ton bizutage. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que t'as dansé, t'as chanté, t'as fait quoi? J'y ai échappé. C'est vrai? J'y ai échappé. C'est pas bon, ça. J'y ai échappé, je me rappelle, première sélection, on s'entraînait au stade de Tata Raphaël. Et en plus, j'avais chaud, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et j'y pensais, tu vois, à l'hôtel à chaque fois. Et je vois Marcel Tisserand, il me regarde et tout, il me dit... Et je sais pas comment j'ai fait pour y échapper. Je sais plus si c'était Chancel ou Dieu merci, qui dit, ouais, on fera ça plus tard. Et du coup, on est rentré à l'hôtel et depuis, j'ai pas fait de bizutage. Et il y a eu des sélections passées, les gens faisaient des bizutages, mais moi, ils m'avaient totalement zappé, que je suis passé inaperçu. Moi, t'as eu de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. Si on repense au groupe en lui-même, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont impressionné, des joueurs que tu t'es dit, lui, je pensais pas qu'il était aussi fort? Tes premières impressions sur le niveau du groupe, si tu dois citer un ou deux joueurs qui t'a impressionné? Ouais, les premières sélections, franchement, Dieu merci Mbokani m'a impressionné de par... On sait tout ce qu'il sait, Dieu merci, tu vois. Mais quand tu le vois vraiment
avec toi à l'entraînement et en match, c'est abusé. Le mec, il a une présence. Pourtant, il est plus tout jeune, tu vois. Mais à la tête, il gagne tous les ballons et c'est un tueur devant le but. C'est un tueur. Et Gaël, parce que j'en entendais parler comme tout le monde. Gaël, Kakuta, c'est... Ouais, c'est... Comme tout le monde en parle, quoi. C'est un génie, là, entre les pieds. C'est abusé ce qu'il peut faire. Et il y a aussi Théo, que j'ai connu récemment aussi en sélection, Théo Bogonda. C'est de la folie. Tu joues avec des joueurs comme ça, c'est incroyable. C'est du kiff total, quoi. Ta première sélection, c'est justement avec Théo. Ouais. Tu fais 45 minutes contre le Bahreïn. Comment tu te sens ? Raconte-nous les sentiments de porter ce maillot pour la première fois. Bah, comment je me sens, c'est si tu veux, on fait le match. Je sais pas si je vais jouer. Je sais pas. Le coach ne discute pas du tout avec nous par rapport au temps de jeu qu'il va y avoir, tu vois. Du coup, j'étais avec Joël cette sélection-là. Il met là. Je pense que avant la compo, j'espère que je vais avoir du temps de jeu, tu vois. Du coup, il met la compo, Joël dans le but et tout, nanana, on part au match. Je fais l'échauffement avec Joël. Robert me dit, vas-y, toi, tu te changes, parce qu'on était trois gardiens. Je fais l'échauffement avec Joël. Il fait la première mi-temps. Et arrivé la mi-temps, 45e, je regarde Robert. Je lui dis, je rentre ou pas, là? Et du coup, il demande au coach. Il dit, oui, il rentre. Mais je ne savais pas du tout, tu vois, je n'étais pas prêt. Du coup, je vais m'échauffer en rapide. Et là, il y a plein de sentiments qui se truquent, tu vois. Je me dis que tout le monde regarde, ma famille regarde. Et j'essaye de kiffer un max, même s'il y avait de la pression. C'était pas fait dans les comme ça aurait dû être fait, tu vois. Mais j'ai essayé de kiffer mon moment sur le terrain, quoi. Content de toi quand même sur cette rencontre? Content de moi. Je crois première frappe, je crois but, ça va super vite. Du coup, c'était pas une préparation optimale, tu vois, pour jouer un premier match 45 premières minutes en sélection. Après, sur le match amical qu'on a fait un peu plus tard, où là j'ai débuté, j'étais plus préparé et ça s'est mieux passé. Même si c'était contre une sélection, le Burkina, qui est une super nation, qui est super bien organisée depuis quelques années, j'ai passé un meilleur match là qu'au Bahreïn. En tout cas, il y a quelqu'un qui était très très fier de toi. C'est le dernier témoignage, t'en fais pas, il y en a un qui après. Oh La cerise sur le gâteau de l'année dernière était vraiment la première sélection, puisque pour nous, notre motivation, c'était juste qu'il puisse jouer en Ligue 2. Et aujourd'hui, il fait partie des Léopards de la RDC. C'est vraiment une très grande fierté. Et on est vraiment de tout cœur avec toi et avec vous pour que vous puissiez aller plus loin et que vous nous fassiez vibrer pour la CAN 2024 et pourquoi pas pour la Coupe du Monde. En tout cas, toutes mes félicitations et encore bravo, notre champion. Et je te fais des gros bisous. Ah, ma sista. Ma sista, c'est la supportrice numéro 1. En plus, elle a toujours été dans le foot. Elle est supportrice de l'OM. Moi, je suis supporter de Paris. Elle est supportrice de l'OM depuis tout petit. Du coup, ouais, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce qu'elle est... Et elle avait été très émue. Bah, quand j'étais rentré contre le Bahreïn, elle avait pleuré et tout. Parce que c'est une fierté quand t'as ton frère qui est en sélection du Congo, c'est le Graal, franchement. Mais même moi, T'en as pas conscience. J'en ai pas conscience, tu vois, parce que je vis le truc en direct, tu vois. Mais c'est un truc de malade. Quand t'es Congolais et que t'es en sélection du Congo, ça représente un truc de malade. C'est quel effet dans ta famille au sens plus large? Ils t'ont vu à la télé? Bah, ma mère, si tu veux, au début, elle était réticente, elle avait un petit peu peur, t'es sûr que tu veux y aller et tout. Je lui disais, maman, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Et plus ça va, plus elle est heureuse. Et tu connais les Congolais comme on est fiers, tu vois. Et mon père, il est trop content à chaque fois. Là, la dernière fois, je lui ai ramené un survêt. Il est trop content de le porter. C'est le survêt des Léopards, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est beaucoup de fierté dans la famille. Et ça donne beaucoup de force. En tout cas, depuis, il y a un nouveau coach qui est arrivé, Sébastien Desarbres. Et alors, vous dites tous la même chose. Toi, Vital, Cédric, il y a un nouveau cadre, il a amené un nouveau cadre. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, c'était comment? Bah, en fait, si tu veux, nous, on est... Vu qu'on a grandi en France, on a fait des centres de formation en France, on sait plus ou moins comment ça marche. Avec l'ancien sélectionneur, il n'y avait pas ce cadre parce qu'il y avait une organisation qui était désastreuse. Moi, je me rappelle au match du Maroc, qualification pour la Coupe du Monde, à domicile, on arrive en retard, alors que c'est le match le plus important de notre vie.
Et les Marocains, eux, ils sont sur le terrain déjà, tu vois, en train de s'échauffer. On s'est changé dans le bus. On arrive à 20 minutes du coup d'envoi, tu vois, c'est pas professionnel. Et le sélectionneur de Sable, depuis qu'il est arrivé, il a ramené ce cadre qui manquait à la sélection. Tu peux pas, en fait, tu peux pas être performant sur le terrain si t'as pas de cadre. Ça vous a handicapé pour le match face au Maroc? Ah, clairement. Clairement, tu c'est même pas concevable. Tu te prépares pas dans des bonnes conditions, quoi. C'est à ce niveau-là, c'est incroyable de voir ça. Et c'est pour ça que il faut qu'on avance dans notre pays. Il faut qu'on avance pour nous, pour les générations futures. Et je pense que le travail que le sélectionneur met en place en ce moment, ça peut que nous faire du bien et ça va se ressentir, je pense, sur les résultats à venir. Vous aviez 0 point sur 6 quand il arrive. Vous gagnez directement 3-1 contre la Mauritanie. C'était un gros challenge. Il gagne votre confiance directement. Ouais, directement. Tu le ressens dans ses causeries, dans ses meetings, dans les règles qu'il met en place, dans son discours, comment il te parle. Tu as envie d'aller à la guerre pour lui et tu sens que c'est carré, tu vois. Là, il y a même des nouveaux qui sont arrivés en sélection. C'était leur première sélection là. Et les agents les appellent, comment ça se passe en sélection, il n'y a pas de trucs bizarres et tout. Et les gens, ils disent non, c'est carré. Et ils se disent, ah ouais, t'es sûr et tout, il n'y a vraiment pas de trucs bizarres. Non, c'est carré. Et on avait besoin de ça. On avait besoin de ça en sélection en RDC. Puis il y a ce fameux match, le match retour, le 1-0 face à la Mauritanie avec l'arbitrage plutôt compliqué. À froid maintenant, t'en penses quoi de cet arbitrage? Le coach, il nous avait prévenu. Hein. Il nous avait prévenu, il nous avait dit qu'en Mauritanie, qu'on n'allait rien avoir pour nous, rien n'allait être sifflé pour nous. Il nous avait prévenu, il nous avait averti qu'il fallait qu'on reste dans notre match. Mais au bout d'un moment, quand tu as de l'injustice pendant tout le match, et même nous sur le banc, on était sous tension. Je pense que sur le banc, on était comme les joueurs sur le terrain, on ne comprenait pas ce qui se passait, tu vois. Mais après, c'est le foot, c'est comme ça, c'est le foot en Afrique, c'est différent, il faut s'adapter. Et là, il nous reste 2 matchs, le destin est entre nos mains. Si on gagne les 2 prochains matchs, on sera qualifié à la CAN. Et c'est l'objectif, mais ouais, le coach nous avait averti et nous avait demandé de rester dans notre match, quoi, de pas calculer ce qui se passe à l'extérieur. Cédric a quand même pris un carton rouge lors de cette rencontre. Tu penses que son absence va vous faire mal? Bah, Cédric, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un d'important dans notre équipe. Après, nous faire mal, je pense pas, j'espère pas en tout cas, parce que certes, on n'a pas Cédric, mais on a d'autres forces. Parce que là, quand tu regardes le groupe qui a été appelé derrière moi, le groupe de 26, c'est incroyable tous les joueurs qu'on a. Et du coup, non, je pense que la personne qui va jouer à la place de Cédric fera son taf et nous aidera à remporter ce match. Dans ce match-là, on a aussi vu pour le futur match face au Gabon, qu'Aubameyang allait être de retour. Je suppose que tu l'as vu. T'en penses quoi? Je l'ai vu. J'en ai parlé en plus parce qu'on a joué contre Grenoble. Là, et du coup, il y a la photographe du Gabon qui nous suit aussi sur les matchs où on n'est pas très loin de Paris. Et j'ai vu, je lui ai dit, j'espère que ça foutra le bordel dans votre sélection et qu'on puisse remporter le match, quoi. Mais non, ouais, j'ai vu. Après, c'est moi, si je viens à jouer, si je joue contre Obama, ça sera un super challenge. Je suis à Rodez et je joue contre Aubameyang, c'est incroyable, incroyable. Bon, plus généralement, sur le foot africain, est-ce qu'il y a des choses spécifiques au football africain qui t'ont marqué, qui t'ont étonné quand t'es arrivé? Parce que c'est pas forcément le même jeu qu'en Europe. Qu'est-ce que t'as que t'a marqué? En Afrique, tout le monde va vite. Tout le monde est costaud, tout le monde est puissant, tout le monde saute haut. Et du coup, ça joue vraiment sur des petits détails. Moi, je m'en rappelle, l'une des premières sélections que je fais, on joue en Tanzanie. Et ils avaient un numéro 10, j'avais jamais vu un joueur comme ça, je le connaissais pas, tu vois, alors que c'est un joueur qui a joué en Belgique, les mecs de la sélection le connaissaient. Mais en Afrique, tu peux tomber contre des sélections où tu te dis, mais c'est quoi ce pays? C'est sûr, il n'y a pas de foot là-bas. Et les mecs, ils te surprennent. Le foot, maintenant, de toute façon, tout le monde s'adapte. On l'a bien vu à la Coupe du Monde là, les petites nations, elles arrivent à accrocher les grosses nations. Et ouais, en Afrique, ce qui m'a choqué, c'est que tout le monde allait vite, tout le monde était puissant. Et c'est pas parce que tu réussis ici au football en Europe que tu vas réussir à t'adapter en Afrique. Vital nous disait, si on ne va pas à la CAN, ce serait quasi impardonnable. Tu es d'accord avec lui? Ouais, clairement. Vu l'effectif, notamment. Avec l'équipe qu'on a, avec l'effectif qu'on a, le sélectionneur qu'on a et le cadre qu'on a, ne pas aller à la CAN serait un échec. Ah, qualifiez-vous, hein, les gars. Ouais, on va tout faire pour. Bon, plus personnellement, un an et demi que tu es là, j'imagine que tu attends forcément ton tour titulaire dans un match important. Et il pourrait arriver ce match, puisque Joël est pour l'instant blessé. On ne sait pas encore jusque quand, mais ça pourrait durer. Tu penses? Tu te dis,
Tu te prépares dans ta tête déjà? En fait, je me prépare en étant performant dans mon club. Là, on a, comme je t'ai dit, on a une fin de championnat, on a quelque chose à jouer, on a le maintien à jouer. Du coup, la préparation, elle passera par là. Tu vois, il nous reste 2 matchs à jouer. Si je suis bon et je bosse bien ici, je sais que je serai prêt au moment où on fera appel à moi, si on doit faire appel à moi. Mais ouais, j'ai attendu patiemment mon tour. Et comme à Rodez, quand je suis arrivé ici, j'ai attendu patiemment. Et une fois que c'était à moi de jouer, faut, comme on dit souvent, le train il passe qu'une fois, faut pas le louper, quoi. Et il faut être présent quand on fait appel à moi. Mais ouais, la préparation, elle passera par le maintien ici et mes performances ici sur les 2 derniers matchs. Tu y penses quand même forcément? Dans un coin de ma tête. Dans un coin de ma tête, j'y pense. Je te dis sans y penser, sans en faire une obsession. Ça viendra en temps voulu. Ça viendra quand ça viendra. Bon, Lionel, merci pour ce moment qui a été super complet. Tu as été excellent. Merci beaucoup et qualifiez-vous. Ouais, on va se qualifier. On compte sur vous. On va se qualifier. Putain, la vie, ouais, ça a stoppé, ça a abusé.